qui prend une face là. Vive le carnaval et la nouvelle saison de carnaval. C'est un visage bien connu à Bienne. Cédric Ier a été intronisé prince du carnaval biennois. Il s'agit bien sûr de l'ancien conseiller municipal de la ville. Après avoir réfléchi un petit moment, il a accepté cette mission. C'est un très gros agenda. On doit bien sûr faire que l'ambiance soit excellente, mais aussi accompagner tous les préparatifs. Je suis totalement engagé, j'ai un gros agenda. L'événement s'est tenu sur la place centrale, cette année en petit comité. On évite les gros rassemblements de foule pour cette édition. Mais la joie des membres de la guilde est bel et bien présente. On se réjouit particulièrement de pouvoir à nouveau organiser un événement festif. Ça m'a beaucoup manqué. Je suis un fan de la première heure du carnaval de Bienne. Cela fait plus de 30 ans que je suis actif et je suis très content qu'on puisse à nouveau célébrer le carnaval. Mais il y a tout de même quelques soucis au sein de la guilde. Cette dernière n'est ouverte qu'aux hommes selon ses statuts, mais il devient si compliqué de trouver des volontaires que la guilde envisage de l'ouvrir aux femmes. Une idée que tout le monde n'approuve pas. C'est toujours difficile de changer de vieilles habitudes bien ancrées, mais quand on demande de l'aide et des bénévoles, on trouve de moins en moins de monde qui a le temps. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir la guilde aux femmes, ce qui nous semble important aussi à notre époque et qui fera du bien à notre organisation. Et la réussite de cette édition n'est pas l'objectif de la guilde uniquement. Le prince prend son rôle à cœur. Il faut apprendre à être pas trop sérieux et c'est pas si simple. Le carnaval de Bienne se déroulera du 2 au 6 mars 2022. Pour le moment, la guilde part du principe que tout pourra se passer comme prévu. Le prince, quant à lui, se réjouit de rencontrer son peuple.